Avez-vous déjà vu une étoile filante? Avez-vous fait un vœu? Était-ce pour un poney? Même si je ne pense pas que ce vœu se réalise, nous pouvons peut-être vous aider d'une autre manière. Cette brève traînée lumineuse est sans doute jolie à regarder. Mais ça pourrait être l'un des nombreux objets interstellaires risquant d'entrer en collision avec la Terre. Nous avons déjà été frappés par des astéroïdes cataclysmiques géants auparavant. Pourtant, contrairement aux dinosaures, vous pouvez être sûr que nous y sommes mieux préparés. Comment survivre à un impact d'astéroïdes? Des débris de notre système solaire tombent sur Terre tout le temps. Presque 91 tonnes par jour se dirigent vers nous. Alors, où tout cela va-t-il? Eh bien, la plupart est vaporisée dans l'atmosphère, laissant des traînées lumineuses que nous appelons étoiles filantes. Mais en de rares occasions, ces étoiles filantes, ou météorites, survivent à l'atmosphère terrestre et plongent dans le sol. Les astéroïdes peuvent mesurer de 2 mètres à 940 km de long, ce qui est énorme. Pour mettre les choses en perspective, il faudrait un astéroïde faisant plus de 400 mètres de large pour causer un désastre mondial. Heureusement, ces titans célestes sont plus faciles à détecter à l'avance. Mais que se passerait-il si nous ne pouvions les arrêter? Quelles sont nos chances d'être frappés par un astéroïde géant? Où aller pour être en sécurité? Les scientifiques pourraient-ils empêcher qu'un astéroïde géant ne nous frappe? Il y a 800 000 ans environ, un astéroïde suffisamment puissant pour envoyer des débris et de la poussière sur toute la planète se serait écrasé en Asie du Sud-Est. Les scientifiques ont découvert d'étranges roches vitrifiées, appelées tektites, qui auraient été projetées depuis la zone d'impact. Ces tektites ont été retrouvées en Asie, en Australie et même en Antarctique. Cet astéroïde a probablement soulevé assez de poussière pour cacher le soleil pendant plusieurs années, détruisant des plantations et refroidissant le globe. Malgré le froid, nos ancêtres sont parvenus à survivre à cet impact dévastateur. Si la NASA identifiait un astéroïde similaire se dirigeant vers nous, que devriez-vous faire? Étape 1. Priez pour une avancée scientifique. Beaucoup de solutions ont été avancées par les scientifiques pour arrêter les astéroïdes. Nous avons songé à faire exploser des ogives nucléaires à proximité, à y introduire des bombes, et même à y attacher des fusées ou des voiles solaires pour modifier sa trajectoire. Qui sait, peut-être que votre carrière scientifique pourrait nous aider à sauver la planète un jour. Qui que vous soyez, merci d'avance. Étape 2. Quittez immédiatement la zone du crash. Si vous vivez dans le périmètre d'impact de l'astéroïde, évacuez la zone aussi vite que possible. Vous devrez éviter la circulation, alors désolé, mais votre collection de BD peut bien attendre. Assurez-vous d'emporter beaucoup de nourriture et d'eau pour le voyage, si vous avez le temps. Si vous partez en voiture, vous verrez sans doute beaucoup de conducteurs paniqués et des embouteillages. Vous voudrez peut-être considérer des moyens de transport alternatifs, ou mieux encore, vous lier d'amitié avec un pilote qualifié. Si vous ne pouvez pas quitter le site d'impact à temps, préparez-vous à subir des tremblements de terre intenses. Éloignez-vous de tous les gratte-ciel et abritez-vous sous quelque chose de solide pour protéger votre tête. Si vous vivez près de l'océan, vous devez vous réfugier immédiatement sur les hauteurs. Des tsunamis gigantesques vont inonder les côtes, détruisant tout sur leur passage. Si vous vivez de l'autre côté de la planète, les vagues d'un tsunami pourraient mettre environ 30 heures à arriver. Alors faites en sorte d'utiliser ce temps intelligemment pour vous préparer au pire. Étape 3. Trouvez un bunker. Même si vous parvenez à quitter la zone de collision sain et sauf, vous devez toujours trouver un abri. Si vous pensiez que les tsunamis et les tremblements de terre étaient violents, que dire d'un orage de grêle de rochers enflammés? Des débris de l'impact de l'astéroïde seraient absorbés dans l'atmosphère, puis recrachés, s'abattant sur les bâtiments et provoquant des incendies partout. Vous devez donc trouver un abri, avec des murs en béton armés d'au moins 30 à 80 cm d'épaisseur. Ou si le gouvernement a fait construire un biodôme avant tout cela, assurez-vous de vous inscrire tôt sur la liste d'attente. Il est temps de jouer de vos relations. Étape 4. Rationnez votre eau et votre nourriture. Conservez une réserve de nourriture non périssable et assez d'eau pour survivre un long moment. Selon la gravité de l'impact, vous pourriez vous retrouver bloqué là pendant quelques années.
La poussière et les débris du choc vont vraisemblablement déclencher un hiver nucléaire, tuant toutes les cultures dans la zone d'impact. Pensez donc à également investir dans une serre pour votre bunker, sauf si vous aimez manger des pois en conserve à chaque repas. Dans l'hypothèse où vous êtes coincé dans un endroit très fréquenté quand l'astéroïde frappe, ou en train de faire du shopping le jour du Black Friday, vous devrez peut-être faire face à une marée humaine. Ne vous en faites pas, nous avons ce qu'il vous faut. N'oubliez pas, si vous voulez rester en vie, continuez à regarder comment survivre.